Salut à tous, ici Skilo et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui, tu sais pour qui? Non. Bah bon non plus. Il y a trop de gens, je m'y perds. Est-ce que ça fait pas partie d'une bande? Il me semble, elle ne serait pas organisée. Elle est justement... Bah oui, puis si, ils se sont mis à plusieurs, donc c'est organisé quoi. Voilà. Et du coup, le titre c'est « Très organisé ». Donc c'est pire que ce qu'on pensait quoi. T'as compris le jeu de mots? Bah très organisé. Ah 13, oh oui, oui, ah, oui, oh là là là. T'as capté? Ok, ok. Oui, ils sont malins, hein. Il y a 13 morceaux en fait, c'est ça? J'allais dire non, mais en fait, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Ah bah voilà. Et du coup aussi, parce que le 13, hein... C'est le vendredi. Ah, pas mal aussi. Eh, hey, tu trouves des trucs, toi? Non, mais c'est Marseille, si tu veux. Oui, Marseille. Oh. Un petit coin de paradis. Ah, à ce moment-là? Bah oui. Tu es fan de cette ville? Non, j'y suis jamais allé, hein, j'avais déjà dit, donc je... Non. Oui, mais tu rêves d'y aller? Pas directement, quoi. Et attention, hein. Mais non, mais avec le Covid. Les Marseillais t'écoutent, hein. Mais je sais bien, mais avec le Covid-19, tu sais pas non plus que vraiment, vraiment voyager, quoi. Hein, donc il faut quand même faire attention, surtout à mon âge. Hein. Voilà. C'est vrai, il faut protéger le padré à tout prix. Voilà. Surtout que j'ai passé le cap de 65, donc non, je suis vraiment à risque. T'inquiète, avec nous, t'es entre de bonnes mains. Et surtout avec eux. Avec la bande? Oui, ils vont te mettre bien. D'accord, je suis rassuré. Bon, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti pour Très Organisé. On va commencer par le premier morceau qui s'intitule Combien? Bah, 13. Du coup, là, il y a Mani, Jul, Soldat, Moubarak, Soprano, Elams, Sosomanes, Vizi et Johnson. Là, on va en avoir plein les oreilles. En plus, c'est 7 minutes, donc ça commence très très fort. Ah oui, non, mais à savoir qu'on avait fait Bande Organisée et Étoile sur le Maillot, on avait fait les clips. Donc voilà, on passe directement au troisième morceau, soyez pas choqués. Donc il en reste 11. Je connais les hommes, je connais pas les anges, mais bien trop la street, tout le monde aura. J'ai vu la peine, j'ai vu ton corps, on se verra plus, ça y en aura. Besoin de temps, plein d'orado, comme un oasis dans le Sahara. J'entends les arcas, je vois la hakra, je veux les arcas, j'entends les barbares. Ah. Ah. Depuis petit, j'ai grandi dans le check, j'ai vu le manège en fumette sur mon Vespa. Ils en ont dit de toutes les couleurs sur moi, sur mes proches, mais au final, ils me connaissent pas. Non, ils me connaissent pas. Je suis. Mon shit, mon cœur, j'ai tout partagé. Ma maman m'a dit sur les autres, faut pas rager. Wow! Le Schmitt m'a menacé. Il atteint des nouvelles notes avec sa voix là. Ça rend du taf le dos cassé. Pour 1002, c'est pas assez. C'est ce qu'il a dit? Le dos cassé. Ça rend du taf le dos cassé. Pour 1002, c'est pas assez. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, qu'il se pétait le dos au travail. Un travail de 1200 euros. Ah, oh, d'accord. Dans le passé, quoi. Ouais, ouais. Puis qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il était pas dans la construction? Oui, c'est dans le bâtiment. Dans le bâtiment? Bah oui, mais non, mais c'est vrai en plus, parce qu'on avait réagi à un de ces clips. Bah oui, où, il était dans le bâtiment. Bah oui. Je sonnais dans le vide toute la journée. J'ai croisé des bâtards toute la journée. J'ai trop fumé et ma tête tournée. Je mettais vite un thé, ils m'ont tout saoulé. C'est bien, c'est un peu de mélancolie de sa part, tu vois, il fait des références à son passé. Et la voix, il va dans des intonations. Oui, c'est vrai que sa voix, là, ça m'a pas déplu. Hein. Mais c'est vrai que tout est des morceaux, tout en douceur, quoi. Voilà, une espèce de petite berceuse avec une histoire qui te prend. Ouais. Enfin, on est qu'au début du morceau, on va enchaîner. Dans la tête, son petit force de barge, chaque fois que je les dépasse. Ah, soldat, que t'avais bien aimé. Oui, il a une voix de militaire. Hein. Franchement, Soldat, il m'épate, tu vois, je le connais pas trop. Et au début que j'avais écouté Bande Organisée, je trouvais que c'était pas fou. Mais en fait, au fur et à mesure des écoutes, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, maintenant, en fait, il est fort ce mec. Il a une voix particulière. Une voix militaire, je trouve. T'avais déjà fait la blague sur Bande Organisée, bon. Non, mais c'est vrai qu'il a une voix un petit peu, un grain spécial, quoi. Ça s'assimile bien à l'autotune, en fait, hein. Il a vraiment des bonnes mélodies. Et même, tu sais, dans sa voix, c'est en mode... Enfin, c'est dur. C'est dur à expliquer. Sa voix, c'est comme s'il criait avec un mal de gorge, en fait. Faut rien lâcher dans cette vie de chier. Pendant des heures, j'écoute les anciens. Une tête cassée, on va prendre ce qu'on nous a pas passé. Depuis petit, c'était
montagne, qu'on veut déplacer, on s'est croisé. Combien j'ai fait de vœux. N'attends rien de l'état, ils analysent mes médailles. Ils entretiennent nos rêves comme les murs de nos rails. Je taffe comme un chinois. T'es fada, on a coupé chez Tata. C'est fait frapper par tonton. Fini ta maman, papa n'était pas là. Y'a personne qui croyait en moi. Quand j'étais seul dans le froid, j'ai servi tellement de cleans que j'en ai encore mal aux doigts. La patience est preuve de bonne foi. Et quand la route est l'enfer, que le chemin est dur, que les saveurs deviennent amères, noyées dans le futur. Je sors bonne soirée. Un peu comme une chorale, hein. Ouais, c'est ça. Mais avant, en plus, tu l'avais prédit dans Bande Organisée, tu avais dit un cœur de rappeur. Mais là, c'est le cas. Ah oui, en fait, j'ai téléphoné à Jules, je lui ai dit voilà, est-ce que ce n'est pas le moment de faire des morceaux avec un multivoix, quoi. Il m'a dit ah, c'est une bonne idée. T'es un mec connecté. Ouais, tu parles. Mais c'est vrai, c'est tout doux comme ça, écoutez, hein, c'est chouette. J'ai envie de sortir mon briquet et tu vas. T'es à la lumière. Non, mais franchement, chacun y met de l'émotion ou bien de la hardesse, si je puis dire. Ça fait du bien. Ah, carrément, ça te fait du bien. Bah oui, de toute façon, même, tu sais, il y a certaines régions qui sont touchées par le Covid-19 plus que d'autres, quoi. Et de faire comme ça des albums, je trouve ça super. Ça donne un petit peu peut-être d'énergie aux gens et de gaieté, quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir pu regrouper comme ça toutes ces voix. Hein. Bon, tu vas me dire, ils sont tous de Marseille, mais, à mon avis, ils ont dit présent, quoi, pour... Ouais, mais il n'y a pas que des rappeurs connus, tu vois. C'est bien aussi qu'il y ait des rappeurs un peu moins connus. Bien sûr. Comme ça, ça nous les fait connaître aussi. Hein. Voilà. Ça fait pas non plus superficiel, quoi. Genre, ouais, on reprend que tous les gens connus. Non, ouais, non. Voilà, une famille, c'est une famille. Ouais. On va passer au quatrième morceau, du coup. Partout, c'est la même. Là, il y a Saf, Jules, As, Elams, Fahar, Freeze, Vincenzo et Dream. Mais attention, c'est pas Freeze Corleone. Hein. C'est Freeze. Ah, ça d'office, c'est une instru de Jules. T'entends direct. Oh, le rythme. Il y a quand même un choc là, je sais pas, le morceau d'avant là, il se passait quelque chose. Et là, ça fait juste morceau classique de Jules en fait. Un petit peu nous réveiller, quoi, nous remettre dans le rythme. Ouais, mais dans le flux de l'album, ça fait bizarre en fait. Ouais, c'est vrai. La transition est chelou. Ouais. Ouais, mais pas trop de rythmique de genre là, hein, parce que... Ouais, non, j'espère que c'est pas que ça. Jules, tu sais, il appuie sur le bouton, puis t'as la rythmique qui se met en route, là. Là, c'est... Tant que c'est juste un ou deux, ou limite trois morceaux, mais... Oui, il en faut, ça, c'est sûr. Hein. Moi, ça, je veux des morceaux qui marquent, comme l'étoile de mer, j'allais dire. C'est Damso, il m'a matrixé. Je voulais dire l'étoile sur le maillot, et combien, là. On a pas le même tous le même. C'est trop facile ça. Non, deux fois d'affilée en plus. Pour danser, rigoler. La vie est dure dans le bingo, la pala, ricocher. C'est la guerre dans le réseau. Voilà, par contre, j'ai un peu moins aimé lui. Je trouvais ça un peu anecdotique en fait. Déjà que de base, c'était pas très inspiré de répéter ouais, non, pom, je sais pas. Mais alors en plus, il le fait deux fois d'affilée quoi. Faut pas pousser. Il avait peut-être oublié son texte là. Ouais, qui sait. Ou alors il avait pas l'inspi. Non mais après c'est pas pour être méchant, tu vois. Mais juste, bon, quand tu écoutes les autres et puis que lui passe, bah, direct tu ressens que il est pas au niveau en fait. Oula, il va pas apprécier, hein. Mais non, mais c'est pas une attaque. Je dis ce que je pense et tout. Après oui, mais moi je ne ferais pas mieux, clairement. Voilà, je dis ce que je pense. Et toi, ça t'a pas choqué? Non.
toi, à mon avis, à moi, de filtres par lesquels passent tous ces artistes. Voilà, donc, voilà. C'est normal. Et mes vieilles oreilles, il y a des choses qui passent sans trop de problèmes. Mais non, mais c'est parce que toi, t'es pas dans l'esprit de tous les auditeurs rap actuels, quoi. Ah non, pas du tout, hein, ça c'est sûr. Tout le monde a un certain niveau d'exigence. Alors que toi, ben voilà quoi. Enfin, non, je suis pas là, je veux dire, à éplucher, voilà. À détecter les petits trucs, non, pas du tout. Hein. Il y avait juste, bon, comme je dis souvent avec Jules, je dis toujours Jules. La fameuse rythmique quoi, hein, tu sais. Si jamais ça t'aimait, Nico, casse ton corps, le monde de Impelé, ouais, sur le parking, la passion monte en moins de deux. Tu filmes, tu roules, tu casses, tu payes, on va de l'avant, tu calmes dans le bain, j'entends. Non, mais l'instrument là. C'est une batterie, hein, ça fait trop vieillot, je sais pas. Laisse-les parler, on les tracasse, on les baisse. Je leur ferai de l'amour sur de la salsa, sur du franglish touriline. Pendant ce temps, ils font la hesse, ils trahiront pour paire de fesses. Dans la Benz, oui, dans la caisse, Coronet et puis de l'Est. Marseillais, toi, partout, c'est la même. Souvent le shit, la mort en sachet. Le buzz, ton cul, putain, tout s'achète. C'est la street intense, faut bien que vous sachiez. Les suis en surette. Marseille, le standing, elle veut que j'y fasse une soufflette. Elle veut que j'y enlève son jean. En vrai, le morceau me paraît beaucoup plus long que ce qu'il ne l'est réellement. Alors que déjà, de base, 5 minutes, c'est beaucoup. Mais le souci, pour moi, voilà, c'est l'instru, quoi. Trop tout le temps la même chose, en fait. Sur Bande Organisée, ça allait. Parce que bon, il y avait l'effet de surprise, qu'il y avait tous les artistes d'un coup. Et en plus, des artistes, voilà, assez réputés, quand même. Mais ici, voilà, proposer ça une deuxième fois, avec des artistes bon, moins intéressants, je trouve, personnellement, je trouve que ça passe un peu moins bien, quoi. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en dis? Ça va. Ouais, toi, ça va. Ah, ouais, ouais. Et comme tu disais, ça fait aussi découvrir les voix de rappeurs qu'on connaît vraiment pas. Quoi. Voilà, mais j'aurais juste aimé voilà, les découvrir, mais sur des autres instrus, quoi. Prochain morceau, Magadji. Donc là, c'est avec Koffs, Usagaza, Don Showa, Saf, Sosomanes, De Bang, Laura Luciano et Jul, évidemment. Je crois que je vais finir solo. Magadji en a marre que je peine dehors. Mais je veux lancer mon polo. Sur toi fort, ne me salis pas. Oh Magadji, je te fais confiance, ne me trahis pas. Trop de maquillage, pas de mariage. Je suis au Paléa avec Noël et Maria. Posé en terrasse, en train de tirer tes sangrias. J'ai une préférence pour les métis et Abia. La vida locale, la mort ou l'hôpital. Qui veut la coca, la cousa Chiquita. J'appelle l'avocat, j'ai rangé la guitare. Je suis cramé. Ok, bon, encore une fois, je m'attendais pas du tout à cette ambiance. Comment ils peuvent nous sortir un son d'amour quand ils sont autant? C'est vrai, non, un son d'amour, c'est censé être voilà, personnel. Ouais, mais ils ont tous vécu un moment d'amour. Ils voulaient le partager. Oui, c'est mon cœur, c'est Magadji. Je vis, je meurs pour Magadji. Je meurs pour mon cœur, pour Magadji. Je me sens tout seul sans Magadji. Je vois ni les jours, ni les années qui passent. Je vois que l'amour et jamais je me lasse. Je sens la chaleur comme le feu sur la glace. C'est la femme de ma vie, c'est ma collègue, ma prunelle. Magadji. Et encore le délire de cœur. En fait, ils sont tous amoureux de la même femme. Ah oui, carrément. Ah bah oui, Magadji. Ils seraient tous ensemble sur la même femme. Oui. Te mettre avec moi, c'est les problèmes. J'en ai marre de voir couler tes larmes au parloir. Je me rappelle de nos virées dans le Cayenne. Et c'est toi la plus belle, pas besoin de miroir. Dans le trafic, même, tu t'as agité bon, là. On ira à la Mecque et pas en Thaïlande. Et la noche, je ferme le rinté. Tu cherches à me joindre, mais je suis pas là. Je rends du fou, imagine. Tu penses que je suis avec des folles. Mais c'est toi la seule que je kiffe. De mon amour, t'as le monopole. Mon bras droit, ma copilote. Sur la route, tu caches à fond, évite la douane. Ça te plaît, toi? Ça va? Ça va? Un peu moins? Oui. Mais voilà, y a un choc quand même après avoir écouté l'étoile sur le maillot, puis combien, je répète. Mais là, enfin, genre avant, il y avait un son Jul, et maintenant un son Love. Pas que c'est mal fait, mais juste, j'en attendais plus, en fait. C'était une petite déception, tu vois.
allez passer, ça n'a pas marché, rien à cacher, ça t'a mâché, cœur arraché, je l'ai cravaché, elle vit pour moi, je m'en pour elle, bon je vais qu'à lâcher, c'est placé, tu déclassé, je te l'aille pas car c'est déjà déplacé, la mienne est bonne, à faire classer, la tienne est bonne, qu'à se faire casser. En fait, je suis plus focalisé sur la petite mélodie, dans la strue, tellement elle est plaisante. Oh mon bébé, oui, les paroles, c'est bon. Oui, il raconte n'importe quoi donc. Elle a des belles fesses, elle regarde pas l'espèce, c'est Magadji. Ah, elle est jolie. Et lui, il va droit au but. Mais bon, c'est Magadji. Elle est là quand tout s'y me laisse. Magadji, c'est mon poteau. La famille, c'est tout ce qui me reste. J'ai même plus de photos. Elle a des beaux yeux. Oula. Elle a des beaux yeux. Qui est la voix? Elle a des beaux yeux. 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 On dirait un peu, parfois un peu bébête, quoi. Mais lui il dit c'est Magadji. Mais c'est Magadji. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est pas la même. C'est peut-être un synonyme. Ok, c'était quoi ce passage de Jul là? Au début de ce couplet, ça va, tu vois, enfin normal, il fait son truc. Mais plus on avance dans le couplet, plus il part dans son délire là. Mais c'est, je dis, hein, ça, parfois ça devient un peu bébête. Hein. Elle a le bon yeux. Enfin, ce morceau là, je veux dire, vers la fin, ça frise la bêtise quoi. On dirait parfois Jul, il se rend pas compte de ce qu'il fait, il part en mode freestyle, il dit balèque, ça va bien donner dans tous les cas. Enfin, tout le monde me kiffe dans tous les cas, donc je peux faire ce que je veux. Ouais, c'est possible, hein. Il peut raconter n'importe quoi. Je trouve un morceau qu'ils auraient pu ne pas mettre sous la barbe. Mais ils avaient pas en fait à faire un morceau comme ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait. À mon avis, tu sais quoi, c'est pour les streams. Hein. En fait, ils se devaient de faire un morceau pour les meufs. Mais ils doivent contenter un maximum de personnes, hein, donc... Je pense en fait, ouais, aujourd'hui, c'est devenu la norme dans la plupart des albums, c'est faire un son love, quoi. Et c'est triste, parce que ça veut dire que même pour un album qui est censé, voilà, être historique, donc, il faut quand même qu'il fasse un son love. Et ça dénaturise, en fait, le projet, je trouve. Limite, bon, les sons à la Jul. Ok, c'est Jul, il peut pas s'empêcher. Mais là, je suis désolé, quoi. Qui a eu cette idée? Bah, Jul. Est-ce que les autres artistes sur le morceau, ils voulaient faire un son comme ça même? Mais ils n'ont pas eu le choix. Bah ouais, c'est ça. Enfin, Jul, il a dit, ouais, on va faire un son love, faites un texte love. Voilà. Mais du coup, les autres, ils vont pas refuser parce qu'ils savent bien qu'ils se trouvent sur l'album, enfin, un des albums les plus attendus de l'année. Donc voilà, ils se forcent un peu. Mais en fait, voilà, c'est ça, ça fait forcer en fait. Et c'est une chanson toute facile avec des textes aussi débiles. Mais un point positif, c'est l'instru. Vraiment, j'ai kiffé la mélodie dans l'instru, le ti-di-di-ti-ti, qui se répète, et puis il y a des autres variantes. Parfois, j'ai plus été pris par ça que le reste. Ouais, c'est vrai. Pour ça, il faut souvent, dans certains cas, faire plus attention à la musique, quoi. Et après, bon, les textes ou les paroles, voilà, quoi. Faut faire avec, hein. Ah bon, là, c'est pas le but de se focaliser sur l'instru et de n'aimer que ça, tu vois. Je veux un tout. Il faut que tout soit parfait. Bah non, mais voilà, le strict minimum, quoi, s'il vous plaît. Prochain titre, Tout a changé. Ah, bah voilà. J'espère bien. Bah voilà. J'espère. Et là, du coup, il y a le Raluciano, Soprano, Jul, l'Algerino, Sisa, Solda, Menzo, Stone. Chardin. Hein? Non. Chardin, hein? Ah, ça sent le son émotionnel. Introspectif. Ni confiance en toi, ni en maritime. Tu sais bien, tu sers par les types. J'ai la mort, j'ai le démon, paraît-il. C'est mon tour par les tiens, je la tiens par les types. Je suis ici, je suis là-bas, je suis là, je reste sans rêve. On veut tout, mon poteau, on est venu sans rien. Accroche-toi, car tout meurt si les couilles s'enrayent. On veut tout, mon poteau, dans ces coins sans règle. On arrête. J'ai pris le mic pour me soigner à 15 piges. À la base, on rappelait pas pour être riche. En larmes, quand les frères nous faisaient le prêche. Face aux flics, personne faisait l'autruche. Tout a changé, même pour manger. Des frères se shootent dans les tranchées. Les plus âgés sont ravagés. Et les petits ne savent que ce qu'à lâcher. En fait, au début, voilà, comme j'ai dit, j'étais choqué que ça parte en rythmique dance, alors que la mélodie se veut un peu triste, tu vois, mélancolique. Mais au final, ça passe. Oui, c'est la batterie hein, qui... Mais oui, mais je trouve ça dommage, en fait, que Jul se sente toujours obligé de rajouter cette fameuse rythmique, en fait. Au lieu de faire un truc plus calme, quoi. Mais si, je trouve que, bon, pour ma part, ça me plaît bien, quoi. Moi j'suis sorti du mur, personne me connaissait. J'ai rappelé dans un Twingo, j'étais au quartier. C'était moi que tu voyais sur une roue. C'était moi qui sentais parfum quartier. J'ai tout donné, et ça m'en veut de quoi frissonner. J'ai mis de côté mon côté émotionnel. Car y'a des choses qu'il faut pas cautionner. J'suis dans le grand Dieu, j'ai un blair chaud. Et quand je pense, ça fait mal de voir ton ami faire l'étranger. Tout a changé, tout le monde s'est changé. Tu vois, j'aime bien quand il parle comme ça.
Mais tu vois, mais Jules, je préfère tellement quand il rappe comme ça, quoi. Quand tu compares son texte là à Magadji juste avant, ouais. C'est pas le même Jules. C'est pas possible. Non, je préfère aussi quand il chante comme ça, quoi. Hein, que parfois ça. C'est un peu bébête, quoi, ce Magadji, là, mais non, je préfère qu'il soit un peu plus sérieux comme ça. Les potos, la rue, les potos, c'est trop chaud la rue, les condés prennent des photos, est-ce que tu m'as vu? Le futur un loto, les petits vendent de la coco, les frères mères en moto, j'étais dans ma bulle, je pense à ma mère quand je regarde la lune. Si tu savais, Aïma, rien n'a changé, Aïma, y'a trop de jaloux, Aïma, ils font que parler, Aïma. Je veux pas éponger, une vie noyée dans les soucis, on était jeunes et insouciants, pas encore soucieux, 2020 ça part en sucette, j'ai cuisiné sans la recette, donc je connais les enjeux, je peux pas oublier, sans être outillé. On a marqué la tête, on l'a fait briller. Tout le monde a brillé. Maintenant, ça cherche à s'envoler vers le ciel avec des ailes brillées. À la base, y'avait pas d'avenir. Tout a changé. Il est apaisant quand on grappe comme ça. Hein. Attiré par le mensonge, je l'ai nié. Dans la cité, j'ai l'article et les billets. Pour pas que tu fasses le ménage et tu te casses le dos. Il était aussi dans la construction, les soldats. Non, pourquoi? Mais il parle aussi de casser le dos. Je t'aime jamais, je mordrai la main qui veut me nourrir. À deux meilleurs lendemains, pas peur de mourir. La vie d'avant n'est que souvenir. Je peux plus m'ouvrir, je veux plus souffrir. Tout a changé dès l'arrivée des armes. Dans mon temps, on faisait des têtes puis des fêtes. On sait même plus la destination des armes. Maintenant, l'adversaire n'accepte plus aucune défaite. La vie m'a pas fait de cadeau, débrouillard, j'ai dû trimer. Tout seul, j'ai dû faire un garon, telle est ma destinée. Bon, j'ai fait la guerre pour trouver la paix. Chasser mes démons et faire le point. Je laisse le goût en mer de mon passé. J'ai dû couper les pommes et voir au loin. On a vu les traces d'un auto, ça c'est les coups d'un couteau. Sur le même océan, mais pas sur le même bateau. Tout a changé. Bon, c'est déjà mieux que les deux morceaux passés, mais ouais, j'étais un peu étonné justement du refrain minimaliste, quoi. Mais en soi, ça passe bien, parce que entre tous ces couplets, bah, un petit refrain facile et avec peu d'éléments, ça crée une espèce d'entracte en fait entre les artistes, et ça fait du bien en fait, t'as le temps de souffler. Et si ça donne bien cette rythmique de batterie, quoi? Je trouve que ça donne bien, ça tape pas trop sous le système. Quoi. Bah non, parce que voilà, t'as une mélodie apaisante. Voilà, derrière, à l'arrière, oui. Mais parfois, je me dis, est-ce que sans cette rythmique, justement, un peu dance là, est-ce que ça aurait pas mieux donné, tu vois? Oh, je sais pas, t'sais. Pour en faire vraiment un morceau mélancolique et triste, que ce soit dans les prestations ainsi que dans l'instru, quoi. Pour que tout concorde. Après, bon, je trouve qu'ils sont pas tous à la hauteur les uns des autres. Je pense notamment à... Je sais plus si c'était SZA ou Menzo, enfin c'était un peu trop classique. Il y avait moins de recherche. C'était juste voilà du rap pour rapper. Mais bon après voilà, ça reste des rappeurs de Marseille, ils ont droit aussi à la lumière. Ouais, pour certains ils sont des débutants, hein. Je sais pas s'ils sont... Non, pas des débutants, mais voilà quoi. Ils sont... Après je sais pas si c'est vraiment des rappeurs... Enfin il y en a certains, si c'est des rappeurs vraiment très réputés. Ou bien voilà, s'ils sont juste là parce que voilà, Jules les a invités. Peut-être parce que c'est des amis ou quoi. On va passer à la suite, et là c'est Warzone, donc une zone de guerre si tu veux. C'est pas le titre d'un jeu, non? Ouais, exactement, et là, t'es référencé toi maintenant, hein. Et du coup là, il y a Tabiti, Naps, Alonso, Wari, Jules, As, Zeb Big et AM La Scampia. Je fais une commande en Corse. J'ai des éclaireurs postés un peu partout dans le hood. Ça fait penser à la bande organisée. Ça va, je dirais Serge de Wish. J'arrive en 2-2, c'est hard-2, c'est dark quand on débarque. On est dans le jeu, on est dans le bain, on est dangereux. T'inquiète, on est tarpin, t'inquiète, on est tarpin. J'suis dans mon cocktail, mon album. Ça vient de Marseille, poto, ça cartonne. Là, j'vais à l'hôtel, au Carlton. Elle me cherche depuis que j'suis dans le top 10. Y'a pas de Tupac, pas de Biggie. Mais tu vois, encore c'est Critzvig. Peut-être à la longue, on va se lasser, j'sais pas. Mais j'ai pas. C'est danger comme quand j'ai cocu. Aucun sac est chargé en gros. Sur une salope qui compte sur une balle chargée, je fais la musique une balle dans le cul. Je fais ce que dans la nuit le tireur d'élite. Ça va faire 7 puisque je suis dans l'élite. Les petits ont les dents, ils veulent se faire little. Je vais mourir comme la terre des Beatles. Warzone, ça tire sa brasse, ça crosse sa braque pour se cacher la blague. Warzone, on a fait sa mère. À chaque fois, à chaque fois les faits de cœur. Je fais le hasi, dans la cousine, comme la série de Massila, tu pars, j'ai dans le Mazi. Allez,
nazi, ouais. Joue le nazi, ouais. Enlève une fume pour devant la voisine. La femme moto et fait mouiller les gadjis. C'est toujours les mêmes folles attirées par les bandits. Welcome dans le vex, welcome dans la warzone. Il a mis les i. Mental, tu mets trop de temps, pas besoin de toi. Petit mouton, je te mets un doigt. J'y vais doucement, j'y vais tout doux. Jamais j'ai porté de gants comme un toutou. Préviens ton fiston, j'avance en piston. Tu me joues les serpents, je te sors le piton. La street sur guidon, qui cherche la plata. T'arraches tout tes morts, t'arraches ta ta ta. C'est un peu monotone, je trouve. Moi j'aime bien, ça me dérange, ouais. Parce que la rythmique est chouette, quoi. Je sais pas si je suis vraiment pris en fait. Je dis pas c'est entraînant, c'est entêtant. Mais juste dans l'instru en fait. Et encore, ça se répète tellement. Mais non, pour moi ce son se démarque pas trop. C'est un peu générique en fait, j'ai envie de dire. Mais ça, le morceau a un peu débuté comme bande organisée, quoi. Oui. Rythmique, quoi. C'est vrai que ça ressemblait fort à SCH, hein. Son couplet. Mais c'est vrai, quand la rythmique est répétitive, pour autant qu'elle ne te tape pas sous le système, allez, c'est bien, quoi, la répétition, justement. Enfin, moi, j'aime bien. Donc là, ça va, ça te tape pas trop. Oui, non, pas du tout. Tu te souviens qu'on avait écouté l'album de Jules, Rien sans rien? À oui, la fin, on en avait un peu marre quand même. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Jules, parfois aussi, il y a des rythmiques qui cassent la tête, quoi. Alors, pendant X minutes, on entend le même rythme. Et là, tandis qu'ici, c'est un rythme qui ne casse pas les oreilles, quoi. Donc, automatiquement, c'est la répétition, j'aime bien. Mais tu vois, le délire de cœur de rappeur, là, encore une fois, au refrain. Au début, c'est bien, tu vois, parce que tu dis, ah, ça change, ça met l'ambiance. C'est fait pour les fous, là, qui chantent la chanson en même temps. Mais ici, bon, dans l'optique qu'on est, je trouve que ça devient limite un peu facile, en fait. C'est une bande, hein. Parce que s'il commence à faire tout le refrain en mode cœur, ça va devenir un peu pesant, quoi. On va passer à Heat. Donc, c'est en anglais, hein, c'est... Chaud. Bah, pour moi, ça veut dire une arme, en fait. Bah oui, un peu, oui. La chaleur, ça veut dire aussi ça. Ça va être chaud. Ouais. Et là, du coup, il y a Kenny Arcana, Graia, Sans Blaze, Sauzer, Jules et Lams, Sat l'Artificier et Banguise. Mais il y a carrément un soulèvement, là, à Marseille, hein. Ouais, c'est abusé. Mais par contre, là, il y a Sans Blaze. Ouais, sans blague. Sans Blaze, on l'a déjà fait, enfin, Du coup, on l'avait déjà fait, et même qu'il avait réagi à une de nos vidéos en interview. Ouh, oh ouais, ok. Il n'y a qu'en Belgique, quand une moto de cross, tu peux pas rouler sur la route, et ici, ils... Il est rigolo, le daron. T'as oublié? Oui, j'ai oublié. Le pauvre. Oui, j'ai oublié. Ouais, mais y a tellement de noms à retenir, dis-le. L'époque est piégée, les anges tombent vite. Oui. Danse parmi les démons de nuit. William. Oui. Écartez-vous, vise la lune, les deux pieds sur une plaque. Des goûts, de quoi parlez-vous? Le sang, soleil, vif, instinct, sauvage, la zone est cible. J'ai pas fait mon temps, frère. Va te faire enculer. Et merci bien la zone pour la passe déjà assurée. Tenue noire, là, je suis sur une big moto. J'ai des bastos de l'art, t'as fait pas le big costaud. Représente la zone, je sais pas si t'as compris. Si c'est chacun son étoile, on a la Champions League. Donne-moi, tu sais, ma nègre, reste tranquille. C'est le 13, bébé, organisé comme dans East Marseille. Sous les projets, très organisé, légendaire. Et la compo, et c'est comme ça. Poto wesh, ça kick sale. Poto wesh, wesh, tu prends les arabesh. Tu te crois costaud. Appelle-moi l'homme béni, celui qui a pas vu venir. J'allais percer autant, c'est pas d'un avenir. J'mets le noyau du Japon, mais j'fais pas parler chinois. J'fermais que des petits ponts, le bolide fait cramer le banc. Faudra pas faire les choquer, pleurer à Madianaza. Y'a les hommes et les hommes laids. Mon calibre il est chromé, si je le sortirais. Nous c'est les vrais, je sais qu'on vit dans l'erreur. Par la faute à la drogue et au rôle d'erreur. J'ai vu la fin du film, ça se finit dans le sang, dans les pleurs. J'ai du cœur, mais j'peux te faire sauter pour la chandeleur. Dis que ta mère, j'peux pas entendre la vérité, c'est trop. C'est le magasin, bien les policiers. Depuis le QM, c'est la street m'a validé. Oui, un peu le xylophone qui me tape sur le système. Ouais. Tu vois, c'est des sons comme ça, quand ils sont répétitifs, c'est des petits sons qui... Voilà. Bah, c'est pas des mélodies hyper recherchées, mais ça colle au thème de, voilà, rap à l'ancienne. Donc t'as pas été satisfait par ce morceau? Non, ça va, je veux dire, va, ouais, dans l'ensemble, hein, mais il y a juste cette petite rythmique-là qui... Bah oui, c'est tout le long aussi, donc... Bah, voilà, c'est tout le long, justement, donc... Si t'aimes pas, c'est compliqué, quoi. Voilà. Faut subir. J'aime bien le xylophone, mais ici, c'est... Allez, c'est un son, vraiment, qui font des dégâts, bah, mais c'est un peu facile, quoi, comme mélodie, j'ai envie de dire.
Par contre, oui, je me répète, mais le délire des voix de foule, c'est bien, je dis pas, hein, ça met l'entrée d'ambiance, comme j'ai dit. Mais s'ils mettent ça tous les morceaux, non, quoi, non. Ou alors, peut-être, pour vraiment apprécier cet effet-là, il faut être en foule, quoi. Et alors là, tu vas te dire, ah ouais, en fait, non, ça passe bien sur tous les morceaux. Mais bon, moi, je serais jamais dans l'optique d'être en foule, avec plein de gens à chanter cet album. Donc, je dois le juger en tant que tel. Prochain titre, Miami Vice. Et du coup, là, il y a Tabiti, SZA, Dream ou Drive, Jul, Kamikaze, Z-Big et Moubarak. Marseille, capitale de la drogue, peine à deux chiffres par le franc. Passe au charbon, c'est les soldes, y'a la grosse queue devant le blanc. J'fume le pan, John, Colin Kingston, John Doe, j'connais personne, John Wick, Smith Wesson, j'suis John Snow, Dung et mon front. Hey, j'aime bien cela. Wow, tu vas tout faire, mais tu paries, j'apparais, disparais, tout ça me rend paro. Wow, j'ai tout mon lèche, allant public en privé, au final, tu connais les tarots. Wow, c'est pour dans les tournants, comme Valentino Rossi, j'arrive, ça fait. Wow, j'arrive en paix, je trop par cadavre, en soi, je suis obligé de les. Wow, terrain, wow, wow. Bah, c'est bon, on l'a compris. Je suis trop, merci. Au revoir. Voilà, et là, il a pas dosé sur les paroles. Ouais. Pao. Bon, je sais que c'est entraînant, accrocheur, toujours dire pa 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 pao, peut-être encore une fois en full, mais il faut doser. Mais par contre, le passage avant ça, enfin tout le reste avant ça, ça j'ai adoré. En fait, dès le début, l'instru te prend à la gorge. Dès le début, tu te sens obligé d'être dans le rythme. Là, c'est vraiment la mélodie en fait qui va avec ce rythme effréné. On dirait, voilà, on est pressé. On dirait, voilà, il faut qu'on avance, on continue, voilà, vas-y, on réfléchit pas, go go go. Miami Vice, ça rafale en terrasse. Gros t'es au has, dis-moi ce qu'il te faut ma race. Ça fait des casses, en cascara et tes max. Que t'es mini-cœurs dans les specteurs. Ouais, le cas c'est serveur, mais je savoure. Ça lève un gros moteur dans le secteur. Y'a encore, j'avais 20 ans, on passe navour. Salomon, j'ai choc, pas smilé. Trop de fumée, tu veux leur killer. Laisse-moi en faire, je vais les killer. Une prod d'un mic, je t'ai les guidé. Tout qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine. Y'a des requins dans la piscine. On est très organisé. À l'usine, là je suis paré, bien préparé, je monte le level crescendo. Qu'est-ce qui t'arrive, je prends pas de farine, je reste un classique Nintendo. Très organisé, je viens de guitariser, y'a les montants ici, faut pas externiser, ça aussi faut arrêter. Mais une bonne rythmique, hein. Ouais, mais en vrai, heureusement qu'il y a le refrain, parce que si avec eux les couplets, je pense qu'on s'ennuierait un peu, quoi. En fait, au début, mais j'étais vraiment pris, quoi. J'étais étonné parce que, bon, l'instru reste très classique, mais voilà, c'est très prenant. Mais sur la longueur, je trouve que, encore une fois, ça s'épuise un peu. Et du coup, bah, je perds cette énergie, cette hype que j'avais au début, quoi. À la limite, que ce soit long, c'est pas trop grave. Mais juste alors qu'il faut que les prestations soient toutes aussi bien les unes que les autres, quoi. Le problème, c'est que parfois, voilà, il y en a qui sont pas à la hauteur. Donc ça fait que ben, y a pas de plus-value quand ils se ramènent, quoi. On dirait juste la continuité de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passera après. Mais pour moi, c'est pas ça, une collaboration, tu vois. Pour moi, une collaboration, chacun apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Mais ici, moi, je trouve qu'ici, c'est juste voilà, des rappeurs qui enchaînent leurs textes. Et rien de plus. Moi, ça me déplaît pas, hein. Je veux dire, c'est vrai que je suis peut-être pas non plus très très exigeant. Non, voilà, mais tu réfléchis bien un peu moins à la chose, quoi. Voilà, mais j'aime bien, parce qu'on pourrait aussi dire, ouais, bon, allez, c'est rythmique, c'est tout long, allez, c'est un peu... Ben non, mais j'aime bien, je veux dire, aussi la longueur du morceau et les voix différentes, malgré tout, donc ça, allez, franchement, ça me déplaît pas, quoi. Parce que j'aime bien, justement, le concept. Donc en fait, t'es beaucoup moins exigeant, toi, en fait, hein, quand on regarde... Ouais, tout à fait, hein, c'est sûr. Toi, tant qu'il y a une bonne rythmique, c'est déjà un peu gagné, quoi. Mélodie, rythmique... Et que ça tape pas sur le système. Exactement, oui, tout à fait, là, c'est... Mais le refrain, par contre, très réussi. Oui, beau refrain, ouais, c'est vrai. Prochain titre, c'est maintenant. Et là, il y a Sat l'Artificier, Alonso, Koffs, Naps, SCH, Joule, Kamikaze et l'Algérino. Entrer dans le game pour le braquer, le dévaliser. Nous c'est Marseille, City 13 organisé. N'essaie pas de nous test rivaliser. On est des ovnis, des machines déshumanisées. Avec moi y'a que des hybrides, de la race que j'effrite. Magique, je tire sur le joint, je suis sur orbite. Magique, on est sur le terrain, c'est pas un movie. Mon vieil, y'a cassage de rêve, la frappe à rouler. Oh oui, c'est là, Funky Family, je te le dis d'avance. Ouais mais leak, j'ai des amis flics, pas d'amis balance. On avance, on bat les avances, bientôt je quitte la France. Ta confiance, des guetteurs de merde, on crie l'ambulance. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je vous dirai rien. T'es tendu, un malentendu. J'ai grandi, t'as senti que j'ai galéré, okay. T'as compris, j'ai compris, fais pas les...
l'erreur. Déguisé dans viral, mandat boxé des guitares. La tête est dans les étoiles, j'ai halat ton tchipa. On veut te faire la city, influent tu connais. J'parle pas à toi, j'parle à lui qui tient ta tétine. C'est la S, enculé, c'est tout le 13. Enculé, elle a un vécu en tout petit, cuit, c'est abusé. J'en ai passé sous les roues pour trouver la Subaru. Mais que le doigt aux jaloux, aéroport, Macao. Nique les colères et les traites. Si demain j'arrête, j'aurai pas de chômage, j'aurai pas de retraite. Je suis très organisé, comme la bande à Pablo. J'fais attention qui est qui, parce que la vie c'est Pablo. Tu passes sur la gare, y'a pas de clé. J'vends pas des cas, il faut des valises de Khalis. La grosse ville à Cari, là c'en est tarif. C'est parce qu'il t'arrive, violent comme une équipe de Marseille à Paris. Si un bruit, ça sort le chrome. C'est un pro, c'est la zone, c'est les hommes. Que des Marseillais dans l'album. On vient braquer le game, on va s'emparer du trône. Je trouve que ça s'épuise, je sais pas. Y'a rien à faire. Après, c'est peut-être voilà, le concept de base qui fait que ça me donne cette impression. Et aussi que voilà, il y a tellement d'artistes. En fait, il y a tellement d'artistes, hein, mais chacun d'entre eux ne peuvent pas se permettre de faire plein de choses versatiles. Ils sont cantonnés à un truc, et alors ils font tous un peu le même truc. Et après, bon, pour certains c'est moins bon, pour d'autres c'est mieux. Mais dans l'ensemble, voilà, quoi, c'est cantonné, je trouve. Pas pour ça que c'est mauvais. En fait, c'est juste voilà, le fait d'enchaîner tous les morceaux de l'album d'un coup, ben, ça se fait ressentir, en fait. Je crois que c'est aussi le concept de base. Ouais, c'est ce que je dis. Hein. Tu vois que la recette, en fait, c'est, tout est axé sur la rythmique. Hein. Et toi, ça ne te lasse pas? Parce que c'est le 10e morceau. Non, pas du tout. Donc t'es toujours pris dedans, toi? Ah oui, moi, je suis complètement, ouais. Vraiment? Ouais, sincèrement. Ouais. Donc tu passes vraiment un bon moment, là? Ah là, oui. Moi, je fais partie de la bande. Prochain morceau, 13 balles. Et là, il y a Koffs, Mo, Samblaz, Jul, Naps, Tadinho, Adib, Zach et Diego. J'ai passé la bague à Chiquita, 2 mois après je l'ai déjà quitté. What? Alors tu bâtard, tu croyais que j'allais faire le même couplet? Ah ok. J'étais endetté à l'époque. Ah pas mal ça. Couvre-toi chérie, on voit tes formes à belle. On me dit gros là t'es fort. T'inquiète pas, j'ai des potes qui t'es pas, qui te pas. J'ai une sagace en double appel. Un braco, une balance, une dépôt et peine. Rien ne sert de faire appel. C'est vrai que ça fait bande organisée là, hein. Partie 2 quoi. Y'a les casquettes, y'a les contours, y'a les vantards, y'a les vautours, y'a les raptors, y'a les reptous, y'a les captants, y'a les sicous, y'a les AK, y'a les cop-cop. On est calibré, tu fais le mariole. Qui t'a validé, t'es qu'une tafiole. Que des Marseillais, chez moi y'a pas de guignol. On t'a rafalé, tu fais des cabrioles. Mon poteau t'a changé, franchement j'ai plus quitté. Moi j'aurais gardé Kerim Benz, si j'étais DJ. Du bonjour du pays, y'a le Covid. Tiens une traite, je monte plus dans le bolide. J'suis dans ma folie. Pour Achida, ça tout est poli. 13 balles dans le barrière, on va les traumatiser. Tu peux nous baliser, mais tu peux pas nous localiser. Et quand je te parle, tu m'as fait le coup du tunnel. Tu m'as fait le mort, ça m'a même pas du rappel. Mais les instruments, y'a rien à faire, c'est toujours les mêmes un peu. Hein. Oui, la rythmique. Ça, c'est la rythmique à la Joule. À Joule hein. On y échappe pas. Je suis baisé, je suis pour taiser. On vient faire terrer, on a pas poté. La première on démarre à 2-10 sans les phares. Pas de permis, pas de carte grise. On a carte blanche depuis qu'on a la carte noire. En très organisé, c'est chaud, te demande pas qui c'est. En fait on calcule pas les gars, ne vous sentez pas visé. Je commence peut-être à être un peu déçu en fait de la tournure de cet album. En fait je m'attendais à un truc beaucoup plus conséquent. Je pensais vraiment que ça allait être la révolution en termes de rap marseillais. Mais pour moi ça sonne plutôt comme un album de Jul avec plein d'invités. Oui, chaque morceau de toute façon, hein, quand tu entends la rythmique, tu te dis allez c'est du Jul. Hein. Après c'est vrai que pour pouvoir épiloguer un peu plus efficacement sur le morceau, il faudrait voilà, commencer à lire tous les textes. Mais du coup, si tu t'intéresses pas trop aux paroles, ben, il reste plus grand chose au final. Enfin, plus on avance dans les morceaux et plus j'ai cette impression-là. Le rythme y est, hein, de toute façon. Hein. Là, c'est oui, un prénom malgré le rythme tout. Y est. Hein. Mais c'est vrai que parfois tu te dis, c'est un peu répétitif. Hein, chaque morceau, tu mets ça en route et puis c'est parti. Quoi, hein, c'est, le rythme est lancé. Quoi. Après, par contre, Koffs, j'ai bien aimé son couplet. Il commence comme dans Bande Organisée, là. Et après, il dit, petit bâtard, tu croyais que j'allais refaire le même couplet? Donc ça, c'est bien vu de sa part. Ça a vraiment apporté un petit truc charismatique et humoristique, quoi. Prochain morceau, La Nuit. Du coup, là, c'est avec Tonino, Sosomanes, Kara, Jul, Jazzy Jazz, Pilk, Fahar, Kamikaze et Jiha. Donc souvent les mêmes qui reviennent, mais parfois, voilà, t'as des petits nouveaux, des petits invités en plus qui se rajoutent.
Après, je sais pas pourquoi, je sais pas si vous, il y en a certains qui ont eu plus de temps en studio que d'autres. Je sais pas pourquoi ils étaient privilégiés en soi. Je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais comme j'ai dit, ça devait être un bordel pour s'organiser. Quoi. Dans la sacoche, la rançon, mauvais garçon, dans la gare. Mancer la nuit sous tension, seule ambition, faire du worry. Dès que la lune se lève, je suis dans le bloc des CEO, chop et ta relève, ça rêve de gros sommes et de gros chocho. Enfin, une astuce différente. C'est la veille, je remets un plein à la pompe et ça barre dans la ville sur un fond d'Akhenaton. Pour des histoires de blocs, ça charge des fusils à pompe. Merci, arrache la patek au poignet de Monégas. Ce qui nous intéresse à nous, bien sûr, c'est le monnaie. Si tu permets, tu gagnes, c'est comme la Sadaka. Et tu me verras tard dans ta ville comme un mouvement laïka. La nuit à Marseille, ça pilote des gros engins. Tête cassée qui aime pas trop se mélanger. Ici même calibré, ça va acheter le pain. Ça regarde partout quand au resto ça va manger. Y'a le galérien à terre qui veut niquer le pain. En Russie, quand ça passe qu'un coup les dents, tu crois que c'est des terroristes. La nuit c'est bad. La nuit c'est hard, patate, matraque. La nuit ça plane. La nuit ça casse mes niches en shop comme un patate. Carnage, c'est le mec. Je suis à fond dans la gare. Je suis avec Saïd et Bakari. Elle se sent un Ferrari. Ouais, ton ventre il est choqué. Dommage, les 1-1-1-1, toujours répété là, encore une fois, c'est trop facile. Ça c'est vraiment quand t'as pas envie de te casser la tête sur un couplet quoi. C'est rien de personnel, très organisé, c'est les professionnels. On déploie mon sel, pour les traumatiser que personne ne se mêle. Le game en otage, là c'est trop tard. Le prix du moteur se perd même au motard. Évasion placard, comme un serpentard. L'Amérique, je suis dans le futur, je suis en Afrique. C'est quoi ça, bling bling, c'est pour mes filles. Pour le reste, je me méfie. Kamikaze, je pense. Fais son seigneur sous la gabardine. Ça sonne à 5, c'est Reda. Ah là, c'est Kamikaze. Des quartiers nord jusqu'à la Valentine. Tout sur le ciment, ça fait le monde. Tu vois qu'à grenadine, caché dans l'obscurité. Je vois des mecs bouchats qui tuer. De voir la nuit, c'est la folie. Que des têtes carbonisées, de flics qui attendent la folie. Fais pas la franchise, joue pas les mafieux comme poli. Soit t'es avec nous, soit tu niques. Pendant que tu fais la mala, y'en a qui soulèvent ta gueule. Ils s'en des gommes, heureusement. Fais des frères, pas d'amis, heureusement. Organisé comme en Colombie. Je préfère ça par rapport au son avec la rythmique Jules quoi. Et en plus le refrain très très réussi. Ça j'adore quand ils allongent les notes comme ça en mode mélodieux. Ça donne toujours bien. Ça m'a bien plu. Pour l'instant je suis pas vraiment déçu par leur album. Oui, je te dis, j'aime bien ce concept de plusieurs voix. Hein, là, c'est ce que je voulais, hein, c'est ce que j'étais en attente et ils l'ont quand même fait. Hein. Ah bah là, mon gars, des voix, t'en as. Hein. Je suis gâté. Là. Oui, ma gâté. On va passer au dernier morceau et ça conclut bien parce que c'est Je suis Marseille. Voilà, ils ont résumé. Et là, t'as. Oh, il est là. Qui? Bah, Akhenaton. Je l'avais vu sur internet, comme quoi qu'il y avait une collaboration, mais je savais pas sur quelle chanson, quoi. Des fans? Oui, Akhenaton, IAM, bien sûr. T'as beaucoup écouté IAM? Ouais. Et le spectacle à Gizeh, là, c'était vraiment magistral. Là, avec un orchestre, hein, je te jure, c'était vraiment le summum. C'est une révolution, cette fois elle est de droite. Voilà pourquoi le chantage à l'emploi dans plein de boîtes. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix implanter la croix. Et face à la télé, souvent, on les croit dans l'endroit. Il y a aussi Shuriken, hein? Qui est aussi dans IAM. Oui, juste. Aussi une super belle voix. Donc là, ça sent le morceau épique. Parce qu'on ouais. Fait SCH avec. C'est la totale. Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines. Où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines. Lorsque les vrais avec leurs poèmes menaient les chrysanthèmes. Mais que les grands baladaient les fers dans les vestes. On fait le monde assis sur le capot de la VM. Coincé entre mépris, des poches gonflées de thunes. Et les putes insipides des poufs qui se font gonfler le cul. On suit la voix du Mike de la Solia Benza. IAM, MRS, Independenza. Qu'est-ce que t'as pensé du couplet là, du coup, d'Akhenaton? Super. Sa voix toujours pas changé quoi. Son flow est resté intact. Ouf. Et l'instru ça rappelle tellement IAM. Oh mais j'imagine même pas là, SCH sur cet instru. Qu'est-ce que ça va être? Mais dommage que Akhenaton est que sur un seul morceau. Ouais c'est vrai. Là je suis un peu déçu hein. Il peut pas trop non plus donner de sa personne. Il en a déjà tellement donné après toutes ces années. Ouais c'est vrai que. Là voilà je pense qu'il s'est dit bon c'est quand même un projet important pour Marseille. Je vais faire l'effort voilà de venir pour un morceau. Place un peu à la jeunesse hein, quand même. Hein. C'est vrai qu'on les entend pas souvent, j'ai dit. Bah non. IAM, ça c'est dommage. Hein. Enfin, c'est bon que j'ai les CD, mais je veux dire, même sur les
les stations radio, on n'entend pas, ouais, pas souvent, c'est dommage. Ouais, c'est, dommage. Là, c'est quand même allé, sont vraiment la racine même du rap, quoi. Ouais, c'est parce que maintenant, voilà, ce n'est plus trop à la mode. Hein. On a évolué depuis. Voilà, faut laisser place à la nouvelle génération, hein, quand, ça. Parce que c'est vrai qu'il faudrait faire plus de mélanges comme ça avec des anciens, des nouveaux. Mais bon, les anciens, voilà, je pense pas qu'ils en ont plus envie de revenir et de faire plein de trucs. C'est grâce à eux que j'ai commencé un petit peu à aimer le rap. Hein. Grâce à Yam. Bah oui, mais je t'avais dit, j'avais vu à la TV leur concert donc à Gizeh, donc en Égypte. J'avais 55 ans, donc il y a 10 ans, quoi. Ah ouais, carrément. C'est là que je suis tombé vraiment amoureux de ce groupe parce que c'était vraiment magistral. Et c'est après ça justement que tu as commencé à t'intéresser de plus en plus au rap français. Oui, tout à fait. C'est eux qui ont lancé, La flamme en toi. Je marche en bande organisée, pas là pour sympathiser. Ils ont pas cru en moi, t'inquiète, au final ils ont réalisé. Pas parce que tu sais pas teaser, tu repasses, tu sais pas viser. Je traînais au quartier jusqu'à tard, je me rappelle que maman crisait. C'est la guerre comme Savastano et Salvatore Conte. Les petits ils savent pas lire, mais t'inquiète, savent conduire et compter. Règlement de compte, tout ça coulé comme sur l'île de beauté. Fais gaffe, tu peux te faire donner par un mec dans le bar d'à côté. Marseille la nuit, ça roule en bolide, brelique, ça avait du liquide. Wahed hypocrite, tu portais le masque avant le Covid. Ça va trop vite, même ton ami te trahit. Les petits en roue arrière, sur la canne bière, sur le cross volé. J'ai vu sur la mer, j'ai trop vu la mer. Arrête de t'affoler, on fera pas affaire. Tu prêtes 20 000 pour pas te rembourser. Il est capable de faire. Tous les jours, j'attends mon heure. Les genoux nourrissent ma peur. En cours, j'étais rêveur, mais mes couilles, c'était mon moteur. La Bresse, c'est quartier nord, les traîtres, c'est la Bac Nord. La Brèche, c'est le disque d'or et le reste, c'est du désordre. Je Marseille, drapeau qui sait qu'on t'a hit. Ça va tirer, on se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organiser le produit, légalisé. Eh ouais, de ma ville, j'suis tombé love dead. Mince, tous les coupables, ville, jugé coupable. Ce rap, c'est ah, mais tant mieux, tant mieux. On a mené le cap, relis bien le contrat. On rentre pas à l'étable, vérifie le combat. On voit que nos gueules sont la carte. Si on donne ce qu'on a, afin que nos gens nous acclament. C'est parce que Mars est une arme, mais nous, c'est putain de balle. C'est N3, on remet ça. J'suis Marseille, le vrai, le sable. Si tu perds, 13-0-13, c'est le crime est sale. Le message pour les braves, le métal pour les traves. Trompé dans la lune, pense à son. Elle est toxique au sourire hypnol. On veut soulever la coupe. À l'hôpital entre deux codes. Genre que je serai jamais vraiment niche. Riche du cœur et riche. Tu fort et tout, mais les poils y'a personne qui les dit. Je vais pas mourir de vieillesse. Flash devant la lime. C'est tout pour le frigo. C'est tout pour la frime. Ouais, par contre, très court hein, son couplet SCH, dommage. Mais les fins de phrases, j'ai remarqué qu'il avait fait des bacs, des petits bacs en mode aigu autotuné dans les fins de phrases. Donc il y a quand même une once d'autotune. Mais ça colle tellement bien parce que c'est subtil en fait. C'est vrai que quand il se ramène, il change la donne quoi. Il s'approprie tout le morceau. Oui, mais Kenaton aussi et, oui. Et Shuriken aussi. Hein. Non, c'est sûr, je suis d'accord. Ouais, c'est vraiment des voix top niveau quoi. J'arrive comme un évêque branchant, putain madre mal poli. Tellement de floconneuses qu'on se croirait en Laponie. Front du collier à la Tony, sous gosière comme un Napoli. Personne d'auréolé, un 3 te mettra la trique. Mais quelque chose d'auléolé, un 3 te mettra à trique. Je Marseille, drapeau hissé comme Daïd, ça va tirer. On se propage, y'a pas de remède. C'est le 13, organisé, le produit légalisé. Eh ouais, de ma ville, j'suis tombé love dead. Franchement, magnifique finale. Là, je trouve que ça conclut parfaitement l'album en fait. Et alors ce refrain, ce mélange de mélodies et les bang bang bang. Donc c'est harmonieux et en même temps c'est entêtant quoi. Bon, bien sûr il y a encore le truc de foule, mais là bon c'est plus subtil quoi, c'est pas surutilisé. En fait je pense que ça c'est mon morceau préféré. T'as aimé ce morceau? J'ai adoré. Je veux dire j'ai adoré tout l'album. Carrément, tout l'album? Sincèrement. À part Gadju. Oui, Gadju, mais bon, allez, c'est qu'un morceau, mais je veux dire, dans l'ensemble, je veux dire, ça m'a vraiment bien plu. Ça, c'est peut-être un album comme je l'attendais. Ouais, t'aimes bien quand il y a plein de voix, donc. Plein aussi, de voix. C'est la totale. Hein. Alors en plus, la rythmique, comme j'aime bien, c'est une rythmique constante. Malgré que ce soit tout le temps à la Jul, enfin quasi tout le temps. Oui, mais c'est juste. Parfois, Jul, quand il emploie la rythmique, mais c'est une rythmique qui tape son système, donc je l'ai souvent dit. Hein. Mais ici, dans plusieurs morceaux, bien sûr, il y a de la rythmique, mais c'est une rythmique qui est chouette à entendre. Quoi. Oui, puis tu as des entractes avec des morceaux un peu plus à l'ancienne. Ouais, voilà. Parfois des instruments un peu différents. Voilà. Donc ça change un peu la donne, même si bon, l'esprit Jul reste là. Quoi.
Oui, ça, bon, ça, on se doute. Hein. Peut-être juste le dernier morceau, là. Je suis Marseille, je me demande si c'est pas Akhenaton qui aurait... proposé l'instru ? Bah, je me demande, hein, parce que... C'est vrai que c'est là... C'est un petit peu différent de... Enfin, il a apporté peut-être sa touche. Oui, là, là, c'est vraiment sa touche, sa sauce. Là, Moi, un petit problème que j'ai, c'est que t'as des morceaux, voilà, ils sont vraiment incroyables. Même si, bon, de temps en temps, t'as des couplets qu'on se demande, bon, on aurait pu s'en passer, quoi. Mais à côté de ces morceaux incroyables... T'as des morceaux oubliables. C'est un peu une mixture, tu vois, de morceaux, dans le sens où ça fait plus compilation qu'album homogène. Il y a un peu trop de tout, quoi. Après, c'est logique, c'est le concept qui veut ça. Il y a tellement d'artistes, c'est impossible qu'ils visent tous la même chose. Ils ont essayé comme ils peuvent, mais voilà, il y a ses limites, quoi. Alors, le problème aussi des artistes là qui sont un peu moins connus, mais qu'on comprend pourquoi. Ils ont beaucoup moins à apporter que certains autres, quoi, sur le projet. On mélange un peu les aigles avec les pigeons, je trouve. Mais ce qui est vraiment bien vu, c'est que voilà, c'est 100% marseillais. Jul donne la lumière aux artistes un peu moins connus et ramène des artistes qui étaient partis pendant un temps. Donc ça, voilà, c'est très bien vu. Il y a pas que des mauvaises choses, il y a aussi beaucoup de bonnes choses, hein, je tiens à le souligner. Je suis pas en train de bâcher le projet pour bâcher. C'est vraiment un album que la famille marseillaise. Voilà, c'est le QLF à la marseillaise, clairement. Mais je pense, enfin, je peux déjà dire qu'il y a pas mal de morceaux que je vais pas me réécouter, je t'avoue. Juste parce que j'ai pas envie que quand j'écoute un morceau, il y a un moment je kiffe, puis à un moment je kiffe moins, puis après je re-kiffe, puis je re-kiffe moins. Voilà, un truc constant, quoi, un truc qui te met dans un univers. Moi j'ai envie de tout réécouter, franchement. Ouais, tout, t'es vraiment chaud, toi. Ouais, franchement. Ça, je crois que ça peut même devenir un disque de plomb, je crois. De plomb ? Mais y a du lourd, ouais, mais c'est du lourd, hein, ça. Non, mais t'as disque d'or, Ah ouais, mais platine, ça, c'est... Ouais, mais ici, c'est hors norme, hein. Ça, c'est du lourd, hein. Ce qui conclura la vidéo sur la bande organisée, tous inclus, hein. Je sais pas, ils sont combien dans cette bande 13. Non, toujours pas. Mais c'est vrai que... Ça vient plus, je pense. Il y aura juste un problème. À l'avant de tous les CD, ils devront partager le magot. Ah ouais, j'avoue. À chaud, hein, quand même. Et ça, ils n'y ont peut-être pas pensé. C'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de placements de produits dans les clips. Oui. Pour augmenter plus les gains. Oui, peut-être. Pour moi, après, ils n'ont pas fait ça pour l'argent. Il y a vraiment une passion et un esprit derrière. Je déconne. Non, c'était chouette parce que c'est... Il y a une âme, en fait. Il y a vraiment une âme. Maintenant, on espère qu'il y aura peut-être la même chose pour le 93, peut-être. Ouais, sûrement. Paris, peut-être. Ils vont peut-être aussi faire un concept similaire. Ils avaient peut-être. Déjà fait, hein, je pense. Qu'ils avaient ils, déjà l'ont fait. Fait. Ils l'ont fait. Ah bah voilà. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao.